Le mielo m'a changé, Au départ, je ne pensais pas, je disais que non. Mais en fait, en y réfléchissant un tout petit peu, oui, il m'a changé. Il m'a changé vers les autres en étant plus compréhensible et réaliser que j'existe moi, que j'ai un moi, que j'accepte voilà, de m'occuper de moi, ce que je n'avais jamais fait comme ça avant. Les douleurs, c'est très difficile. Le corset m'aide beaucoup. J'ai essayé de m'en passer, ça n'a pas marché. J'ai deux filles. L'une est à Paris, mais elle a mal réagi. Elle était très très proche, elle était même fusionnelle, et d'un coup, elle s'est éloignée. Et j'ai ma deuxième fille qui, elle, a été un soutien permanent. C'est une maladie assez lourde, on sait que c'est pas curable au sens où on entend vraiment parler de la guérison, donc ça reste difficile à accepter, mais c'est vrai que voilà, quand en face on a quelqu'un qui le prend plutôt bien, on peut pas le prendre mal. C'est vrai que c'est très important. Très très important, l'amour qu'on peut vous porter, qui vous aide d'une façon formidable. Et je n'ai pas d'amis qui se soient détournés, au contraire. Je pense qu'avant tout, il faut une vraie acceptation de sa maladie. Donc on vit avec, on ne combat pas. Pour ça, j'ai cherché beaucoup de solutions. D'aide, on va dire, pour améliorer le quotidien. Ça passe par des séances d'ostéopathie, des séances d'acupuncture, la pratique du Reiki. Ce qu'apporte le Reiki, c'est une sérénité, calmer des douleurs, un échange très profond avec les personnes avec qui on fait du Reiki. Et en général, on a un bien-être extraordinaire à la fin d'une séance. Puis la F3M qui commence à prendre pas mal de temps. Là aussi, c'est rencontrer des gens qui comprennent, qui ne jugent pas. Et puis c'est donner tant qu'on peut donner. Et puis bien sûr, à la base, j'ai mes enfants et mes petites hein, que je garde deux jours par semaine. Et ça, évidemment, ça fait bouger, ça fait vivre. Ça, c'est l'amour pur, c'est la gaieté, et moi, ça m'a obligée à certains moments à sortir de moi, parce que, ben oui, aujourd'hui, je suis un peu fatiguée, et puis quand elles sont là, ben, on y va. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui, voilà, qui même fatigué, qui même vraiment très fatigué, se lève, descend trois étages pour aller faire ses courses, parce qu'il faut bien manger, pour aller chercher ses petits-enfants à l'école, et ben vous ne pouvez pas, vous, parce que vous êtes un petit peu fatigué, baisser les bras non plus. Donc voilà, le moteur, je pense que c'était surtout elle. Sa maladie ne fait que ressortir un peu plus sa force de caractère. Oui, j'ai pris conscience d'un certain nombre de choses. Je profite. La douleur m'inquiète en vieillissant et la perte d'autonomie. Parce que c'est vrai que quelquefois, c'est pas très facile. Bon, là, je m'organise. Mais voilà, je viens d'être prise par la MDPH à handicapée à plus de 80%. Donc ça veut dire quelque chose. Et il faut essayer de s'éloigner de la peur, de faire confiance au médecin, de s'appuyer sur son entourage et de dire que maintenant on a quand même la chance d'avoir des traitements et des nouveaux traitements et faire confiance au médecin. La maladie. Voilà, elle est là, elle est dans sa vie, mais on vit l'avenir comme n'importe quelle personne d'un peu plus de 60 ans qui vieillit sans plus de problèmes que ça. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'envisage. Après, il n'y aura plus qu'une solution. C'est une maison de retraite ou une maison autre. Mais ça, c'est pour après. Hein.